Yo tout le monde, c'est Apollon, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour les nouvelles quêtes de l'histoire de cette saison 4. Et c'est la partie 1, l'issue sera-t-elle fatale? Et le point positif que je vois, c'est que les prochaines quêtes seront dans 7 jours, et ça sera la partie 2, le rassemblement des héros. En tout cas, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous laisser avec les quêtes, et nous on se retrouve comme d'habitude en fin de vidéo pour débrief tout ça. Ah, salut, justement je te cherchais. Et oh, attends, c'est quoi ça? Je crois que ça appartenait à Fatalis. Un prototype? Un présage. Eh oui, on peut dire un prototype. Tu devrais l'examiner de plus près, Hope. Pourquoi moi? Bon, ça fait partie des prérogatives quand c'est le sujet d'une prophétie obscure. Et je sais de quoi je parle. Je pensais que la vue de ce monument en ruine serait réconfortante pour moi. Au lieu de ça,
ressens qu'une avidité béante. C'est à cause de la boîte. Elle est exaltante, mais tout aussi sauvage, chaotique, incontrôlée. Réutiliser cette boîte sans consolider au préalable mon armure, voilà qui serait fort imprudent. Mais je n'aurai pas à attendre longtemps. Mon œuvre est bientôt prête. Quand tout renaîtra, à l'image de ma perfection, jamais plus je n'échouerai. Fatalis se cache quelque part pour se fabriquer une nouvelle armure. Il se sert de ses Fatalibots pour contrôler son armée à distance. Bon, voyons les choses du bon côté. Au lieu de me demander comment faire pour vaincre Fatalis, on doit d'abord se demander comment l'atteindre. J'ai besoin de réfléchir. On se contacte plus tard. Et voilà, les premières quêtes de l'histoire de cette saison sont terminées. On a pu en apprendre un peu plus. Effectivement, le masque qui était à côté de la boîte de Pandore était un prototype pour Fatalis. Et on sait que Hope est en train de l'étudier et on en saura plus à mon avis la semaine prochaine avec les prochaines quêtes. Ensuite, plus tard dans les quêtes, on a pu écouter deux audios de Fatalis où il nous disait que déjà il voulait rendre l'île parfaite car on faisait un peu le désordre sur celle-ci et qu'il le ferait de force ou alors qu'on accepte. Et dans le deuxième audio, il nous parlait principalement de la boîte de Pandore en disant que c'est un peu le chaos, qu'elle était pas stable et tout, et que son pouvoir est tellement fort qu'il ne peut pas le faire avec lui son propre armure, et qu'il n'était pas inconscient, et que du coup, il est en train de créer une nouvelle armure dans la forge à côté de son château, et que ça devrait bientôt être fini, et après, on n'en a pas plus, on doit attendre la semaine prochaine, et en tout cas, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à me soutenir dans la boutique Fortnite en mettant mon code créateur KTT. Merci à tous ceux qui le feront. Et si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description. C'était Apollon. À plus tout le monde.